non panni imbruciate finestre, non offrono odore di cucine. Abitazioni bombardate. Escheletro, casa alveare. Non ronzano voci tranquille, non panni imbruciate finestre, non offrono odor di cucina. E il vento si impregna di morte, lo stesso che a stento respiro, nel corpo uguale rovina. Ma voglio sperare rialzarmi, tornare alla vita e aiutare. Mutilazione. La macchina massima al mondo è leva di tutti i progetti, dal primo raccolto alla luna. Intreccia, districa, raccoglie, incide, percuote, accarezza. La guida armoniosa il cervello. È stata recisa, innocente. In gioco, crudele disprezzo. Per vivere, ora allungo il pensiero. Sorella acqua, allegra con forza mi investe, e musica intensa, scrosciante. Se tento al volo ingoiarla, gioiosa si scontra col fiato. Tambura su pelle ed intorno, avvolge in freschezza e candore. Vorrei che restasse compagna nei giorni e non solo nel sogno. Svanisce ora in pochi secondi. Antonio, comment fais-tu pour faire ce genre de commentaires sur ces photos? Et c'est une question d'habitude. Il y a beaucoup d'années que je vais écrire après une émotion. Et c'est l'habitude d'écrire d'emblée. Et comme l'émotion vient, je vais écrire. Et les poèmes, on peut l'accommoder, on peut faire quelque chose après. Mais c'est toute une émotion. Et tu travailles sur le rythme, la sonorité, la musicalité? Oui, le rythme, la sonorité, la musicalité, c'est un métier. Pour le faire, il faut la garder à la tête comme un musicien à la musique. C'est la même chose. Alors on peut réparer tous les mots, on peut l'ajuster accord à la musique. Comment as-tu choisi les trois photos du livre? Ils sont trois photos différentes. Parce qu'une, c'est la plus tragique, c'est la jeune fille avec la main amputée. C'est une question terrible. Mais dans ce regard, il y a des espoirs. Après, il y a la maison de Grozny qui a été détruite. C'est quelque chose, ce n'est pas une personne, mais une maison, c'est une chose qui a été détruite. Mais une chose où il y avait beaucoup de vie dans l'intérieur avant. La dernière, c'était une photo d'espoir. C'est la jeune fille indonésienne qui joue avec un petit dos qu'il tombe et qui n'a pas l'habitude de la voir et la vie, alors c'est la joie qui explode avec l'eau. Sœur, merci Antonio.